forcément coaché du côté Neno Aseric. Ah, et du coup, là, faudra m'aider, Antoine. A priori, c'est un jeune joueur, c'est ça qui a signé un contrat aspirant. Il n'est pas majeur. Hein. Oui, oui, Emmanuel Chikaya. 17 ans. Ah, si, il est majeur. Oui, d'accord. Oui, alors, on va faire glisser Jean-Philippe Davelli sur le poste 4 du côté d'Evreux. Qui s'est très bien opéré à ce poste aussi. Il est complet, il est polyvalent. Oui, oui, c'est un poste 3-4, vraiment. Et Hernan Zamora qui va effectivement mener son équipe. Dimitri Ranić, qui a été une des belles surprises de ce début de saison sur le peu de rencontres qu'a pu faire la LM Evreux. Il est gros comme une maison qui faisait faim de chercher un de ses coéquipiers pour qu'en fait... Ouh, la petite passe de Chikaya osée, mais avec réussite. Oh, c'est fort, ça. L'agressivité, Jean-Philippe. Ouais, c'est dommage, c'était très bien joué de sa part. Sleva tout seul dans la raquette. Non, non. Nobel qui a failli prendre le shoot, qui ressort. Voilà, c'est marrant cet effectif hein, de Paris avec de très jeunes joueurs. Et... Ouais, non, là. Alors là, il va y avoir une première indication. Ah, c'est très étonnant hein, et très surprenant de d'entendre aussi bien le rebond du ballon. On entend presque le bruit du ballon qui touche le filet. C'est vous dire hein, combien c'est calme et étonnant ce huis clos. Oh, comme un guetté. C'est chouette parce que c'est la relation entre les deux intérieurs pour envoyer au alley-oop. Ah oui, c'est Sleva pour Kamagaté et qui est monté très haut. Ça a réveillé la salle, hein. J'ai vu deux personnes lever les bras. Bon, s'il y a un autre problème avec le filet, il n'y aura peut-être pas besoin de baisser l'arceau. On pourra demander à Kamagaté sur la pointe des pieds. Ah, c'est dommage, c'est Chikayap, mais c'était bien joué, bien senti. Mais... Ouais, mais l'horloge des 24 secondes. Pas que des actes de soliste. Et puis au niveau des rebonds, il y avait un gros différentiel du côté d'Evreux, 21, 27 pour Paris, ça a menuisé. Allez, et... on joue la carte de la jeunesse, on va protéger les lignes extérieures du côté d'Evreux parce qu'on a fait rentrer en même temps Emmanuel Chikaya et Anthony Andrémont. Faire souffler Yornan Zamora et Pedro Barral au maximum. Pendant qu'on est à plus 10, allez, Jean-Philippe Dali, le petit reverse. Vis-à-vis, c'est. Il y a un terme pour ça, pardon, je suis gêné, j'aurais pas dû me lancer là-dessus, je retrouve pas le nom. Mais en tout cas, ce petit geste, c'était un peu ça, quoi. Plongeon incroyable, quoi. Allez, reprise du jeu. Toujours plus 10. Oh bah ça l'empêche pas d'aller vite, Dimitri Ranić. Fabien Fachal, faut rajouter les 8 rebonds et 4 passes. Hein, donc, il règne pas que. Au scoring. Sur la colonne scoring. Bien vu Antoine. Francesi. Il avait déjà été performant hein, sur les premiers matchs de l'année. C'est bien Pachal. C'est très bien joué parce qu'en fait ça part d'une accélération de Francesi. C'est 3 points. C'est 3 points. Il a été touché par Kamagaté, mais en attendant, c'était un très beau jeu à 3. Voilà, et Francesi qui avait encore mis Francesi pardon, qui avait mis une grosse accélération. Il a les jambes de feu hein, ce joueur. Le score, plus 10 toujours, 83-76, 13 pardon. Anthony Andrémont qui est bien placé au rebond offensif. Bien joué jeune joueur. Ouh, il change de main, il va trouver qui? Il va trouver... Oh, la jeunesse, c'est Bruissienne. Premier panier d'Emmanuel Chikaya. Ah, il doit être content. Sur passe d'Anthony Andrémont. Famille le peut. Ah là, je vous dis, s'il a 18 ans, il vient de les avoir. Hein, parce qu'il est tout jeune. Le minot, concentré, appliqué, fait plaisir à voir. Ah, c'est Fabien qui a été rattrapé par la patrouille, je crois. Et bah, mine de rien, ce 5 atypique hein, du côté bruissien avec Andrémont et Chikaya, bah, pour l'instant, Ranić, toujours titulaire. Ranić, bien sûr. Ouais. Et ça fonctionne pour l'instant. Ouais, ça court dans tous les sens, ça défend. Ouais, là, il y a faute. Ouais. Oui, oui. Le coup joué par, par Neno Aseric fonctionne pour l'instant.
Allez, on va faire jouer l'expérience du côté de Paris pour remettre quelque chose de simple. Oui, ce qui manque à Paris en ce moment, c'est l'inverse de ce deuxième carton, c'est la réussite au tir. Allez, touché, hein, Kamagete, ouais, bien là, contré. Ouais, Kamagete, je le verrai arriver, j'aurai un shoot à déclencher, je serai un peu inquiet. Je peux comprendre... Ah bah ça fait lever la trajectoire, hein, ça c'est sûr. Je peux comprendre Chikaya. L'envergure. Oh allez, Kamagete, trois fois. Ouais, la même mais celle-là, je la mets. Hein. On dirait que sur la pointe des pieds, je pense qu'il peut toucher l'arceau. Je pense. Parce que là, je ne l'ai pas vu sauter haut. Hein. Plus 10, bien joué Kamagete et Nobel remont offensif. Et du côté d'Evreux, il y a du très jeune joueur. On vous l'a dit avec Anthony Andrémont, aspirant pro, et Chikaya lui aussi. Oh, allez, le joli transfert. À deux. Oh,